Bonjour, le samedi 10 mai prochain aura lieu la deuxième nuit du storytelling à Genève. À cette occasion, une quinzaine de storytellers vont raconter pendant près de 6 heures une centaine d'histoires, toutes plus intéressantes, captivantes et émouvantes l'une que l'autre. Ce soir, j'aimerais débuter à vous raconter une histoire qui parle de génie et de créativité. Nous sommes en 1583, dans la magnifique cathédrale de Pise, où le jeune Galilée, qui n'a que 19 ans, écoute le sermon de la messe. Mais il s'ennuie, tant et si bien que son regard divague et observe par hasard le mouvement d'un chandelier qui a débuté une oscillation à cause d'un courant d'air. Vous souhaitez connaître la fin de cette histoire? Alors venez samedi 10 mai, dès 18h, à la Maison des Associations de Genève. Nous vous attendons, l'entrée est gratuite, les inscriptions sont obligatoires sur www.rhétorique.ch. Merci et à bientôt.